Salut à tous, je fais mon Booktuber épisode 9 et là ça va être une spéciale BD et geek. Pour suivre un peu l'épisode 8, je vais vous parler des Geek Scott. C'était un ensemble, un recueil de BD développé par Nojoan et le quatrième de couverture est plus que parlant. Ceux qui pensent que comprendre mon humour est difficile n'ont jamais dû essayer de compiler GNU Linux. Donc en gros, c'est des pingouins ou des manchots dans la vie courante où il y a pas mal de personnages. Le premier épisode s'appelle Passe le chemin. Il y a aussi bien sûr le personnage appelé le Ku Klux Klan qui est le personnage de Wikipédia. On a tous les personnages mythiques de la Galaxie Libre avec le dragon, le dinosaure de Mozilla, le jeu d'humour très geek. On a le pingouin. Voilà, je vais vous laisser, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Le pingouin avec toute sa famille. Il y a le GNU. Voilà, vous voyez sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien cette planche parce qu'elle est vraiment marrante. C'est vraiment du monde très geek. Le fils pingouin qui explique à ses parents qu'il y a des petits problèmes. Et aussi on a le dragon de KDE qui se bat avec le GNU. Voilà. Là, une histoire de Ripin qui ne fonctionne plus et le GNU lui dit installe Linux. Désolé, c'est un réflexe. Et le grand-père qui, voilà, qui parle à son petit-fils. Voilà. Vous savez que vous êtes né au XXe siècle quand votre petit-fils vous demande où le bouton modifier sur le dictionnaire. Non, c'est vraiment de l'humour complètement geek. C'est sorti en 2009 aux éditions Framabook. C'est marrant à mort. Vous pouvez aussi le lire, bien sûr, en format livre. Mais si vous avez envie de rigoler avec de l'humour bien geek, bien gras, c'est vrai que le dinosaure Mozilla, il n'est pas triste par moment. Je vous conseille ce petit bouquin. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !